Et donc on se retrouve pour le quatrième épisode de la saison 3 de Time Trap. Et donc là le temps presse vraiment, donc il faut que je trouve du fer. Ah, merde. Bon, de toute façon j'en ai déjà mis à cuire, hein, donc j'ai de quoi me faire un bloc seulement. Ce qui n'est pas... pas spécialement beaucoup. Oh bah tiens, voilà du fer. Et on va vite se le faire fondre. Il faudra qu'on retourne ici après. Et non mais les allées et venues, c'est quand même une perte de temps aussi. Bon, il n'y en a pas là. Histoire que je regagne pas. Ouais. Y a rien. Bon, on va peut-être juste aller par là. Ouais, non, c'est un cul-de-sac. Ça ne peut pas gagner du temps. Bon. Faut que je retourne à l'endroit où j'ai posé les... Ah, merde, c'était pas là. Oh là, c'est là où il y a le donjon. Bah zut, c'est où que je... C'est où que je... Ah, c'est là que je m'étais enfoncé pour... Voilà, bon. Ouais, donc j'ai de quoi... Je vais avoir de quoi m'en faire deux, en fait. Hein. Et c'est pas trop. Ah mais c'est le donjon ça. Ah non pas là. Hop. Ouais j'aime pas laisser un truc. Ça c'est à cause du rail que je peux poser de bloc. Hop. Et on va s'en faire un deuxième tout de suite. Mais ça me fait toujours que 7 minutes, hein. c'est pas énorme hein, franchement. Bon, je pense qu'on va tout ramener là, parce que faut pas que je perde du temps à essayer de revenir ici après. Mais enfin, je pense que là, de toute façon, cette saison 3 aura été plus intéressante que les deux premières, hein, déjà. Rien que pour la mine abandonnée. Mais aussi pour la le nombre d'épisodes un peu plus élevé. Bon, allez, on va peut-être aller s'aventurer par là maintenant. Bon, de toute façon, les araignées ne peuvent pas m'empoisonner, hein, étant donné que je suis en facile. Bah là, c'est là où il y a le donjon. Bon, enfin, c'est un peu con d'avoir fait ça parce que les araignées peuvent passer. Hein. Alors est-ce qu'il y a un trésor là dans ce truc? Non, il n'y a pas de trésor. Bouchez ça. Là, il y a un squelette, ok, pourquoi pas. Ça va, il est coincé dans la... Hop. On va boucher ici, de toute façon il n'y aura rien d'intéressant. Ah bah la fameuse champignonnière. On va se refaire cette fois-ci 64 torches parce que ça part trop vite. Donc ouais déjà l'épisode 4, hein, mine de rien, bon. Bon bah là il y en a tous les côtés. On va peut-être se faire une base ici en fait. Hein. Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. On va se faire une base dans la... sur ce terrain-là. Parce que en plus c'est plat, ça va être pratique. On n'en a pas trop besoin. Alors est-ce que j'ai de quoi déjà me... Non, j'ai plus rien. Bon, alors là, il faut vraiment retrouver du fer hein, maintenant. Ou autre chose. Mais il en faut 9, quoi. Ah, de la lave.
Là, ça part de tous les côtés. Mais on n'a pas le temps de d'admirer la complexité de la mine. Donc voilà. Et là, je crois qu'en fait, on va être pris par le temps. Ah, il y a du fer. Il y a du fer. Combien? 4, oui, bah c'est pas assez. Et là, il y a du mob. On parle, est-ce que oui, il y a peut-être des choses intéressantes aussi par contre, mais. Les mines abandonnées sont toujours très grandes, hein. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, de toute façon, là, j'ai tout sur moi, les fours et tout. J'ai plus de nouvelles du zombie. Ah, bon, cet endroit ne me déplaît pas. Mais ouais, les descentes en cul-de-sac, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Ah, il y a du fer là. On est ouais, couche 25. On va s'enfoncer par là. Et puis bon, de toute façon, là, je vais être obligé de faire cuire en urgence. Parce qu'en plus, il y a le temps de cuisson, hein, comme j'ai dit. Ouais, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc on va faire cuire en urgence le. Oh, bah, juste ce qu'il faut. Voilà. Le faire parce que là vite les ah les fours merde je les ai pas repris bon pas de panique ah bah non en fait je me suis mis quelque part ah bah oui c'est vrai j'ai fait une base dans la sur le truc de terre ouais mais là j'ai pas le temps d'y retourner hein. Vite hop. Ça va être extrêmement chaud, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Cette fois-ci, il y a bien le charbon. Ça va être très 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 chaud. En attendant, on n'a pas grand-chose à faire. Peut-être retourner par là, s'il y a encore du fer. Est-ce qu'il y a du fer dans ce coin-là? Il y a mes blocs. Il y en a là. On va pas trop s'éloigner. Non, parce qu'il faut déjà que je... Voilà, faut que j'anticipe parce que... Parce que sinon je vais être emmerdé. Évidemment. Ouh, bah c'est une grosse veine. On va retourner au four. Bon. Ouais, non, là, moins d'une minute. Là, c'est vraiment l'arrêt de toute exploration. Crois que c'était par là. Hein. Hop, allez. Déjà, c'est pas le moment de perdre du temps, bêtement. Hop, bon. Donc on récupère 3 minutes, c'était juste là. Et on va faire cuire tout ce fer. Finalement, je vais vraiment disséminer des fours. Je vais disséminer des fours partout. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu le.
C'est un peu le principe d'une vie enfin d'une aventure en nomade. Bon, là je crois qu'il y en a, nous les faire. Ah bah ça y est, on retrouve les mines abandonnées là. Bon, ça ne me dit pas s'il y a du fer dans le coin. Ah, mais putain, j'ai pas le temps là. J'ai pas le temps de me battre avec l'eau, de toute façon, y a rien. Hop. Ah, la redstone. Là, ah bah on est sur une couche intéressante. Et on a de l'or. Alors, si je pouvais avoir 9 d'or, ce serait parfait. Mais il n'y en a que 2. Ça m'en fait 4, hein, je crois, du coup. Oui. 4. Bon, puis il va falloir qu'on retourne au four. 4, ouais, c'est... Oh, le con, putain. Bon, mine de rien, là, on reviendra. Parce que... On va revenir après. Parce qu'il y a de la lave, de la redstone. Bah, de toute façon, on est à la couche 14. Donc, on peut trouver des choses intéressantes. Et c'était où, merde? Par là, non? Non. Par là. On peut trouver des choses intéressantes. Donc on va revenir juste après, mais il faut déjà qu'on se remette bien. Enfin, bien, façon de parler, parce que... Hop! Bon. Ah, c'est bête, il me manque juste un de fer. Et là, je n'en ai pas sur moi pour... cela dit, tiens, je vais mettre à profit quand même l'énergie, là, pour faire cuire l'or. Ah, merde! Mais là, il s'agit pas de perdre du temps, hein. Allez, on va repartir. Hop. Allez, c'est reparti. Ouais, bah alors, on en aura peut-être 9, hein, petit à petit. On va s'aventurer autour du lac de lave, là, dans lequel je fais par erreur tomber mon fer. C'est vraiment bête parce que si je l'avais eu, j'aurais pu me refaire tout de suite un autre bloc. Enfin, bon, tant pis. Alors, c'était où? C'était par là. Bon, la redstone, je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant. Alors, où est le début de ce lac? Enfin, le début, le bord. Encore de la redstone. Or, diamant, là, ça me sauverait, hein. Non, parce qu'en fait, là, j'ai... Enfin, il me manquerait un de fer pour me refaire un bloc. Un seau d'eau me ferait peut-être gagner du temps, mais bon, un seau d'eau, c'est 3 de fer, quoi. Ouais, bah, il n'y a rien à part de la redstone, hein, pour l'instant. Là, c'est vraiment dangereux, ce que j'ai fait. On va voir par là. Bah, là, il y a déjà un creeper. 2. Allez, fais péter ton copain, voilà. Oh, bah, écoutez, je crois que la saison... Ah bah il manque un de fer, hein, cela dit. Encore faut-il le trouver, quoi. Du lapis là-bas. Bon, pourquoi pas. Mais le lapis ne rapporte pas rien en termes de temps. On n'a pas un peu de diamant par là, non? Bah, de toute façon, le diamant, il en faudrait 9. Et avoir 9 diamants en une veine, c'est quand même assez rare. Mais il n'y a pas un de fer, quoi, par là, non? Ce serait trop demandé. Un, j'ai dit. S'il pouvait y en avoir au moins un, ce serait pas mal. Écoutez, je crois que là...
Ah, là, ici. Allez, vite. Enfin, quoi qu'il arrive, ça va être extrêmement juste, hein. Bon, alors, le four, bah, tiens, j'ai plus qu'un four. Ok, ouais, c'est vrai que j'avais perdu les autres. Est-ce que je ressorte l'atelier? Mais c'est sympa hein, comme type d'aventure, hein. Assez stressant finalement. Enfin stressant, c'est du bon stress. Hein, mais, être toujours sur le qui-vive, quoi. Bon alors là, ça va être tellement juste. Enfin, ça va passer quand même. Allez, 3 minutes. Bon, 3 minutes pour se refaire une vie. Alors. Déjà, il y a un coffre ici. Si on pouvait trouver du diamant, là, ce serait assez tranquille, hein. Enfin, au moins 9 diamants. Du fer, en attendant. Le lapis, c'est pas la peine que je le prenne, je pense. Là, et à quoi faut pas que je me trompe de touche surtout. Mais pas un seul diamant. Allez, on va se refaire des torches. Ouais, le bois, de toute façon, il y a la mine à un moment donné, pas loin. Ah tiens, il y avait un lac de lave ici. Bon. Ouais, enfin, le temps va encore manquer. Puis là, le fer, je suis loin du compte. Hein. S'il y en a au-dessus du lac. Putain, mais. Eh, top. Allez, 10 blocs pour boucher une source d'eau. Bon. Ouais, non, en fait, c'est foutu. Parce que il faudrait le temps de les faire cuire. Quoique. Non, en fait, c'est foutu. Parce que. Parce qu'il faut 1 minute 30 pour faire cuire 9. Putain. C'est quoi qui m'a touché là? Oh. Ah, c'est lui. Oh putain, les bébés zombies, c'est une horreur. Bah de toute façon, hein, là c'est foutu. À moins. À moins. Mais j'y crois. Très peu. Au moins que je trouve comme ça, là, dans la minute. Parce que là, j'ai plus de fer. Ah, ou alors. Ouais, mais j'ai 11 de fer, mais de toute façon, j'aurais pas le temps de faire cuire. À moins que je trouve. Oh, y avait du fer partout ici, c'est dommage. À moins que je trouve. Bah, 9 diamants, comme ça. 30 secondes. Ouais, pour ceux qui seraient intéressés, je vais juste vous donner la graine. Et elle pourrait aussi me servir si jamais je voudrais, si jamais je voulais retrouver cet endroit. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, là, il n'y a rien. Oh bah, il n'y a pas de diamant. Écoutez, on va mourir un peu plus noblement, finalement, que dans les premières saisons. J'aurais tenu 5 épisodes. Et on va finir l'aventure en minant ce lapis. Hop. Et donc sur ce, bah merci d'avoir suivi les. Hop, voilà. Oh, c'est intéressant ça. Petite capture d'écran. Sur ce, bah voilà, j'ai survécu 5036 secondes. Ah c'est bien, et en plus il m'emmène à à ma base là. Ah oui, par contre, j'ai perdu tout mon inventaire, sauf ce qu'il y avait là. Tiens, c'est quoi ce. Ah oui, c'est le mode spectateur, oui. Ah, y a plus que la tête maintenant. Avant, c'était le corps entier en transparent. Ok, donc merci d'avoir suivi cette troisième saison de Time Trap. Alors par contre, je vais peut-être me remettre dans le bon sens. Je vais juste par curiosité explorer un peu comme ça, parce que de toute façon, la prochaine fois, ce sera pas la même carte. Donc la saison 4, je pense qu'on la fera avec les mêmes paramètres. Donc facile pour la difficulté de la carte. C'est-à-dire donc avec les temps
Ça veut dire 3 minutes pour le fer, 45 minutes pour le diamant, et je sais plus trop combien pour les autres, d'ailleurs on va pouvoir les retrouver. L'émeraude, ça me rapporte une demi-heure, et l'or, 10 minutes. Donc voilà, je vais juste regarder, voir s'il y avait du diamant quelque part, pas loin, où j'ai exploré. Là, il y a des torches, ouais, bon. Putain, sans regret, je pense, hein. Parce que, bon, là, c'était pas exploré, mais... Il y avait ce truc-là, mais là, il n'y avait rien, en fait. Ah, bah, là, c'est là que je suis mort, ok. Mais, franchement, bon, ce sera plus simple d'explorer à l'extérieur. Il n'y a pas de diamants, ici, hein. Donc, bon, sans regret. De toute façon, bon, là j'ai tenu 5 épisodes et 5036 secondes, hein, comme je vous le disais. Donc c'est beaucoup mieux qu'au cours des saisons 1 et 2. Donc sur cette magnifique vue de... C'est vachement intéressant, n'empêche. Hein. Ah oui, d'accord, il y a même la mine abandonnée qui se poursuivait ici jusqu'à la bedrock, quoi, carrément. Ok. Est-ce que c'est la même que l'autre? Bah, elle est vraiment immense, en fait. Ou alors, il y a deux mines abandonnées, des fois, qui ont été générées. Ça arrive, hein. D'ailleurs, on peut s'amuser aussi à augmenter le nombre volontairement. Je le ferai peut-être une fois, rien que pour m'amuser. Oh, il y avait de l'or, là. Bon, enfin, bref, on va pas... bon, on va pas non plus repasser toute la carte au peigne fin, hein. Donc merci d'avoir suivi cette saison 3, et pour la saison 4, hein, je ne donne aucune date. On verra bien quand la motivation se présentera, mais en tout cas je pense que je la referai avec les mêmes paramètres de difficulté. Donc et ben, je vous dis à plus tard, et bonne continuation à vous, et bonne fin d'année, hein, au cas où bonne fête de fin d'année, au cas où je ne republierai pas d'autres vidéos d'ici là. Mais on verra bien. Donc, bah, à plus.